Salut tout le monde, et bien donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle House Flipper. Alors j'ai vu certaines vidéos sur ce jeu et je me suis dit j'aimerais bien l'avoir et du coup faire des vidéos là-dessus. Donc je me suis dit je vais l'acheter et on fera quelques petites vidéos là-dessus. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors, comme j'ai vu quelques petites vidéos, je sais un petit peu comment ça se passe, un petit peu ce qu'il va y avoir, et voilà, mais je me suis pas tout spoilé parce que sinon c'est pas trop marrant. Bienvenue dans House Flipper. Dans ce jeu, tu pourras acheter, rénover, décorer et vendre des maisons. Pour l'instant, tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et de l'ordinateur portable qui est ton centre de commande. Ok. Quel bazar! Il faut que je range. Ouais. Voilà, comme je vous l'ai dit, je sais un petit peu ce qu'il faut faire. Il est temps d'aller voir sur mon ordi si j'ai des messages. Ok. Ah oui, bon, d'abord, on va juste, bien sûr, nettoyer tout ça. Tout ce petit bazar. Ah d'accord. On peut prendre un meuble. Ok. Alors. Remets-toi, s'il te plaît. Merci. Bah, comme de par magie, bien sûr, ça se remet tout droit dès qu'on ouvre. Ah, ça, c'est toilette. Bon, il n'y a pas de saleté. Enfin, il y a des saletés, mais il n'y a pas de truc à enlever. Ok. Mon ordinateur. Ah. Ton ordinateur portable. L'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers, d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre. Tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison. Mais il semblerait que tu aies reçu un message pour ton premier chantier. Alors, voilà, un mail. Alors ici, on a le moteur de recherche. Ça permet du coup de chercher des maisons. Voilà, elle ressemble un peu à ça. Ok. Et la toute dernière, c'est celle-là. On va pas tout se spoiler, on va pas regarder comment est-ce que c'est à l'intérieur et tout ça. On va laisser un petit peu de suspense. Boîte mail. Ok. Sandra Zengley. Mon ex est parti avec mon radiateur. Ah. Ok. Bonjour. Je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais, grâce aux photos sur FaceTime, que mon ex, pour se venger, est rentré par effraction chez moi. Qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de rassembler, de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qui s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex-ami quand je reviendrai de mon voyage à faire. Salutations, Sandra Zengley. Ok, bon, on accepte. Ah oui, en effet. Voilà. Bon. Alors, tu as débloqué le balai espagnol. Félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Ok. Alors, on va rentrer. On va nettoyer toutes les salissures. Voilà. Hop là. Alors, on va remettre tout ça en place, là. Alors, je sais que c'est par pièce que l'on nettoie. Et donc, du coup, il y a le pourcentage à droite qui me disent si j'ai tout enlevé comme salissure ou comme... ça s'appelle comment? Attendez, ordure, voilà. Alors, le balai espagnol. Ah, ici. Ok, alors, hop là, maintenant on va nettoyer ici. Ok. Alors, je sais pas ce qu'il a... qu'il a voulu dire à ton mari, mais franchement, il était vraiment vénère. Enfin, ton ex, plutôt. Ok.
Ok, j'ai débloqué un nouveau point de compétence et je dois appuyer là-dessus pour l'avoir. Tu te développes. Allume la tablette pour choisir comment tu utilises le point de capacité que tu viens de gagner. Ok. 1. Ranger. Vision perspicace. Tu vois quelques-unes des salissures sur la minimap. Longue portée, balai espagnol. Main rapide, range 25% plus rapidement. Et ben on va prendre le balai. Le balai sera amélioré. Franchement, je préférais l'autre balai. Hein. Celui-là, il nettoie beaucoup moins, j'ai l'impression. Enfin, moins vite, quoi. On regarde ça bien. Hop là, on est à 69% des salissures. 85%. Ah, ici. Ok. Ta tablette. À partir de maintenant, vous avez une tablette à votre disposition. Appuyez sur. Mais je sais, je viens de le voir, franchement. Franchement, vous me prenez vraiment pour une débile. Hein, pour le supprimer ou le masquer. Cela vous permettra d'acheter des choses. Ce sera utile dans ce travail. Ok. Alors, je sais qu'il faut appuyer sur magasin. Et d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, ce que je sais. Alors, c'était dans installation. Parce que oui, je me souviens un petit peu comment ce que c'était dans les vidéos. Oh, par contre, c'est lent. Oh, c'est lent. J'espère que ça va améliorer hein, les trucs. Parce que là, franchement, c'est lent. Ok, bah, on a fini. Donc, il me dit d'appuyer sur entrée pour finir. Tu as réalisé 100% du chantier et tu peux le terminer maintenant pour 785$. Es-tu sûr de vouloir le terminer? Terminer le chantier. S'il te plaît, tu vas terminer ce chantier. Oh, oui, j'ai eu un nouveau point de compétence et prêt à négocier, possibilité de négocier le prix, chantier rapide. Exigence du chantier moins 2%, salaire plus élevé, salaire plus pour les chantiers, plus 10%. Oui, on va faire ça. Et maintenant, je peux rentrer chez moi, dans mon bureau, tout merdique. Ben voilà, enfin, je peux rentrer chez moi, voir si j'ai des mails. Ah, non, j'ai pas de nouvelles. Si, j'ai un nouveau point de compétence encore. Et ben on va faire encore salaire plus élevé. Puis voilà. Mais jamais nettoyé. C'est quoi ce bordel? Et c'est quoi ça? Bon, ça c'était cassé. Ça c'est comme ça. Ça voilà. Et on va nettoyer un petit peu. Parce que là c'est... C'est vraiment la misère. Là, on mettra un radiateur plus tard et on verra s'il y a des salissures dehors plus tard. Bon, et bien ça, on va le remettre droit. Voilà. Hop là. Alors, c'est bon. Ah, d'accord. Nettoyage du garage de Caroline Martin ou Jack Graham, radiateur. Bon, on va faire... Allez, nettoyage du garage et ensuite on fera radiateur. Bonjour. Pour tout dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les vitres et les outils. Le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne les retrouve plus. Salutations, Caroline Martin. Ok. Accepté. En effet, c'est le bordel. C'est pas... Voilà, bon. J'ai une petite idée. Et après, alors ça doit être ici. Après, on pourra visiter la maison. Pour voir un petit peu c'est cracra pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle est la maison, comme ça on pourra
s'inspirer de ça pour faire les autres maisons. Voilà, si ça m'intéresse, si je trouve ça joli, ben voilà. Alors, on va déjà jeter tous les cartons là, toutes ces poubelles là, toutes ces déchetteries. Hop là. Ça c'est ajouté? Non. Là, alors on se dépêche. Non, carton, tu ne sors pas. Sors au sein des déchetteries, c'est bon. Ah, j'ai une nouvelle compétence. Bah on va garder ça encore. On dirait Swiffer. Connaissez-vous pas les Swiffer? Wow. Ah oui, par contre, ça décrase dur, comme on dit. Alors, on va nettoyer sans toucher les outils. On va nettoyer la vitre. Une nouveauté. D'accord. J'ai fini le chantier, ouais. Mais non, attendez, on va sortir. Ah non, horrible, attendez. Je peux sortir? Voilà, et on va fermer et on va passer par là. On va ranger notre balai. Alors, ouvrir. Alors. Je trouve ça un peu trop simple. Ouais, mais c'est sympa. Ensuite. Ah, waouh. Ouais, c'est... On va aller là. On va très vite. On fait très vite, hein. Ouais, c'est mignon. C'est sympa. Petite chambre pour enfants. C'est une salle de bain avec douche, lave-linge, ok, toilette. Ouais, c'est très sympa. Franchement, très sympa. Ensuite, ici. Ah, une autre salle de bain, mais avec baignoire cette fois-ci. Si on n'aime pas la douche, on prend la baignoire. Ok. Et ici, ah, un lit. La chambre d'enfant. De parental, pardon. Si on fait ah, ça fait le lit. Ok. J'aime pas trop ces bandes violettes sur le truc blanc. Enfin, sur le mur blanc. Mais bon. Après, chacun ses goûts. Ok. Alors ici, ok, ça fait cuisine, salle à manger, séjour. Bon, sympa, franchement. Ouais, très sympa. Et ici, ok, alors j'aime juste pas les bandes comme d'habitude et ça, voilà, mais sinon le reste c'est sympa. On a fini pour 596 $, voilà, ouais, c'est très sympa. Ouais, ça peut m'inspirer. Ah, mes photos et images, as-tu remarqué qu'en utilisant l'onglet galerie sur la tablette, tu pouvais choisir n'importe quelle image du disque dur et l'utiliser comme poster ou comme cadre à suspendre au mur. Tu peux aussi utiliser la caméra pour prendre des photos du jeu et enregistrer des œuvres sur le disque dur. Ok, c'est sympa. Alors on va voir si on a d'autres emails. On avait dit les radiateurs. Si je dois payer quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. L'hiver arrive, les hivers sont rudes. Et dans la maison, il n'y a pas de radiateur. Installe-en. Ok. Oh, elle a l'air sympa la maison. Ouais. Alors, de l'herbe fraîchement coupée, du miel sur mon cœur. C'est vrai, ouais, c'est sympa d'avoir une herbe coupée. Alors, radiateur, est-ce qu'ils sont bons à installer? Il y en a un qui est déjà installé. Ici. Oui. C'est la chambre de la petite. Donc oui, il faut vite en installer un. Je reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai dû faire un petit truc en vitesse. Alors, oui, on n'avait pas fini d'installer ça. Alors, j'ai un nouveau point de compétence.
monte au montage 20% plus rapide. Ah oui. Oui. Carreleur, pose de carrelage et des lames de parquet 20% plus rapide. Ouais, mais ça, on n'a pas encore. On en mettra un point quand même au cas où, mais bon. Plâtrier, que non. On va faire un montage 20% plus rapide. Wow, elle s'est ouverte d'un coup. Parce que ici, ouais, on doit en mettre un. Ah oui, ça monte un petit peu plus vite. C'est pas tout à fait dans ça, mais ça monte assez vite. Voilà, alors, maintenant, ici, il y a déjà un radiateur, un grand radiateur en plus. Bon, bah ici. Ok, alors je dois dévisser. Ok, je dois poser un évier. Alors, là c'est un... Ok, je dois poser un radiateur de salle de bain. Et voilà. Et voilà. Alors ensuite, non, je vais quand même poser le... l'évier. On va mettre un bel évier. On va mettre ça. Ah ouais. Est-ce qu'on s'en... Ah, si. Ok. Ok. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Ça. Et ça. Ok. Bah c'est bon. Ah et j'ai un nouveau point de compétence. Son nom. Ah oui, on voit carrément ouais, le tube. Le tuyau quoi. Alors oui, bah, on va faire encore monteur. Montage 20% plus rapide. C'est 50% plus rapide. Et on a fini. On fait entrer et on a fini pour 1016$. Ok. Ah, on a un nouveau point de compétence. Oh, salaire plus élevé. Ouais, on va faire encore un salaire plus élevé. Ça nous augmentera un petit peu notre salaire. Ce sera super. Alors, on placera un radiateur plus tard. Ici. Mur amarant, préparation à l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Enfin, préparation à l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Marc Savon. Bonjour, bonjour. Ma belle-femme, est enfin enceinte. Et nous sommes débordés comme jamais, mais aussi très heureux. Je ne sais plus moi-même par quoi commencer. Il y a tellement de choses. Qu'il faudrait faire avant la venue au monde de ma petite princesse. On est déjà sûr que c'est une fille. On a acheté une petite maison très jolie pour nous trois. Malheureusement, il faut la nettoyer de fond en comble. Et il faut préparer une chambre d'enfant. Je compte sur toi pour t'occuper de remettre cette maison en ordre. Et de préparer une chambre d'enfant, d'acheter un lit, une table à manger, peut-être quelques jouets. Je m'en remets à toi. Et n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Merci d'avance pour ton aide. Cordialement, Marc Savon. Heureux papa d'ici peu. Ok. Ok, alors pourquoi est-ce que vous avez acheté cette maison si elle est comme ça? Je sais pas pourquoi s'il m'écrit à chaque fois ça, à chaque fois qu'il y a une lèvre coupée. Bon. Tu as débloqué le pinceau. Salutations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant,
Tu peux peindre les murs avec un pinceau. Tu dois seulement utiliser la tablette pour acheter de la peinture. Ok. Donc le pinceau, ouais, il est là. Et on peut vendre les objets. Ok. Alors, ouais. On va nettoyer. Avec ça, de toute façon, tu nettoies 10 additions en avance. Alors j'ai cru voir une salissure. Ah bah de toute façon j'ai fini. Ici. Voilà. Ok, alors. Non, on va d'abord nettoyer les vitres, hein, ce que je déteste. Attendez, on va faire un truc, on va faire ça. Je suis en train de galérer avec ma souris. T'as pas un petit problème là? S'il te plaît. Ah, ici, ok. J'avais pas vu la salissure. Non, 93%. Il en reste 100%. C'est bon. Je sais pas. On peindra et on mettra l'enfant et puis tout ça plus tard. Ici. Ah oui, oui, oui. En effet, c'est dégueulasse. Pourquoi avez-vous acheté cette maison? Bon, moi, ça me paye, mais bon. Vous êtes bête. Voilà, hop là. C'est bon? Ouais, hop. On a 4 fenêtres à nettoyer, s'il vous plaît. Je peux nettoyer. C'est bon? Non. Ah, ici. On a ici. Voilà. Voilà. Et ici, on nettoie la salissure. Voilà. Et on a fini au niveau des fenêtres. Ici.
aussi. Nettoie les vitres. Et voilà. Alors, on a un nouveau point de compétence. Vision perspective. Non, on va prendre ça. Ouais, on va prendre vision perspective. 82%. Une deuxième fenêtre à nettoyer. 91%. Et voilà. Alors 91%. Où est-ce qu'il y a d'autres salles issues? Ah, c'est bon. On a fait. Un turbin, là. Me revoilà. Alors, donc, on n'a pas fini. Comment ça, on n'a pas fini? Il y a rien à faire ici. Ici. Il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est vrai. C'est l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Donc, on achète de la peinture. Alors, dans mes souvenirs, c'était dans le mur. Ouais, ouais, voilà. C'était rose de comment? Rose pastel. Oui, parce que sur les vidéos, je voyais très bien ce qu'il faisait. On va en acheter deux. Et j'ai l'impression que si je n'arrête pas à temps, la peinture, elle se remet sur le même mur que j'ai déjà peint. Ça, c'est un petit peu embêtant. J'espère qu'il y a une compétence qui enlève ça. Voilà. Ensuite. Ça va être long, cette mission, elle va être longue. Ah, j'ai un nouveau point. Base à peinture, tu gaspilleras pas de peinture sur un mur déjà peint. Oui. Après, c'est peindre deux murs en même temps ou tu peins 25% plus vite. Non, pour l'instant, on garde ça. Ça, c'est parfaitement bien. Dans la vidéo, j'ai vu aussi qu'il fallait peindre ici. Voilà, j'essaye d'apprendre au moins les petites bases. Ok, alors ici c'est assez rapide. Ok, j'ai bien fait finalement d'acheter un deuxième pot. Voilà.
Hop là. Ok. Faut pas oublier les bordures de fenêtre. Est-ce que je peux peindre ici? Ouais. Voilà. Hop là, on a presque fini. Ah, il me manque un tout petit peu. Voilà, on a fini. Ah, on peut vendre. On peut vendre, ouais. Alors, ça c'est lit enfant. Donc lit enfant. D'après mes souvenirs, lit, c'est dans quoi? C'est dans quoi? Mobilier peut-être? Ouais, il y a lit. Alors lit d'enfant. Lit enfant. Ah, ici. Non, blanc, ça ira très très bien. Donc, on pourrait le placer ici. Ouais, on pourrait placer le lit enfant ici. Ensuite, il manque quoi? Bibliothécaire. Peut-être dans armoire et meubles. Ah, ici. Il y a quoi comme couleur? Gris brillant, noyé, noir, jaune, bon, jaune non, boulot, ouais, on va garder comme ça, sorte de blanc, voilà, hop là, ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un meuble à langer, alors, ah ben, c'est où? Ah ben c'est là, ouais. On va garder comme ça, on va pas regarder les autres. Ce serait très bien comme ça. On va le mettre ici, juste à côté de la bibliothèque, voilà, où il y aura les couches, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande deux poufs. Ok, deux fois poufs. C'était dans le canapé. Non. C'est pas dans la chaise. Si? Ah bah si. Alors, on a lila, azur, orange ou vert. Bah, lila. Là, on fait ça. Ah oui, il en demande deux. Donc, on va faire... Attendez. Voilà, et on va faire comme ça. Et voilà, on a fini 100%. Et donc, du coup, pour 8 414 $, et ben c'est super. Voilà, et donc du coup nous on va s'arrêter là. Du coup je vous fais d'énormes bisous, à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ce que je fais vous plaît, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.